Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la Kaye. En fait, nous dit tout le monde qui vit pas bon ici aux États-Unis, yon Happy 4th of July. En fait, nous connaissons que c'est un grand moment dans l'histoire pays qui manquait date côté que vous prenez autonomie par rapport à l'Angleterre. Mais en fait, on dit que tout le monde d'accord que l'année ça un peu différent, c'est un holiday qui est différent côté que en pile monde dans pays a bataille. Et justement, avec une pandémie qui c'est coronavirus qui a remonté, et en plus, le monde pensait le d'abraler et il a retourné pour la plus belle vienne frapper dans le visage. Donc, commandant en chef là, et en parlant de Donald Trump, mes amis, en plus, le monde t'a espéré que pour une fois, il t'a fait un appel à l'unité parce que sans bagarre qui simple à diriger ou pas diriger pour compte. Ou diriger pour moun ki pa de voter ou diriger pour moun ki compte. Et 4 juillet, en d'autres termes, il était supposé une occasion pour faire un appel à l'unité, pour faire un appel avec un dénominateur commun. Parce que qui tout républicain, qui tout démocrate, c'est même histoire, c'est même bataille là qui t'a fait créer nation ça, qui sont pays d'immigrants. Donc c'est occasion pour tout président, justement. T'as supposé bataille pour rallier tout secteur, toute couche sociale dans un seul côté. Pour te couper court avec tout discours de séparation, tout discours de division. Mais tel n'a pas été le cas pour Donald Trump. Justement, dans Montagne Rushmore hier soir, eh bien, côté que, il faut encore dans le discours, t'as présenté, lire les yo. Dire les dèm, l'autre moun yo, c'est comme quoi yon pas fait partie de pays contre nous-mêmes, bien entendu. Yon discours qui pas approprié dans le cadre. Pensez que si nous t'apprenons et grand leader pays ça qui te bataille pour faire ça, il te bataille pour l'unité. Toute grande bataille, c'était ça pour te faire yon nation. Et que yon pas trop pour dire c'est yon-même, nous-mêmes, c'est que c'est nous, le mot nous. Pensez que c'est. C'est une embarras qui t'est manqué dans le discours de Donald Trump. Qui t'est surtout fait un discours qui t'a décrit protestateur ces derniers jours. Mais si tu es protestateur, contre qui ça a protesté? Qui ça fait au mal? Parce que bien des séries de bagarres qui fait au mal. C'est tendé au tout, quelque part. Et il t'a profité pour te présenter, ça nous d'après les gens qui sont à gauche, la gauche, en parlant des démocrates, sont bonnes volées. Vous comprenez? Sont bonnes volées, sont bonnes bandits. Et que. Et objectif yo, en fait, parlant des démocrates, parlant de Black Lives Matter mouvement, tout le monde qui a parlé de brutalité policière. Mais je vais comprendre que Mounsao, c'est eux qui voulaient mettre fin. Il dit, they want to end America. Il dit que yo sans pitié. Il dit que yo voulaient effacer l'histoire, nous. Yo voulaient porter diffamation sous tout héros qui te bataille pour payer ça. Yo vle efface valeur nou. Yo vle endoctriner petit nou. Mais Jean l'écrit yo. Parlant de yo, l'autre moun yo. On vle parler de qui ça? De groupe moun ka parler de confédérés yo. Yo pensé tout groupe moun qui était dans logique ça, c'est des séries de moun qui t'ont encouragé l'esclavage et que yo pas représenté valeur pays. C'est ça yo dit. Mais c'est eux même qui dit que cap effacer histoire pays. Pas bien que le président parle. Eh bien, moun sa yo, c'est m'dan vrele là. C'est ardeur division la l'humain, la caillou. Comme quoi l'autre moun sa yo, c'est comme quoi m'dadou yo même, yo pas représenté pays. C'est discours ça que il tap bay. Et matin, vous samedi, administration Donald Trump là, justement, li planifié, faut que je la guess what? Dans Washington DC, magistrat ville, nous voulons parler de Muriel Bones. Et Muriel Bones, c'est toute sale dit, pas oublier que magistrat ville a été gagné des guidelines. Et tant pour le dire, mon mettez maçon ensemble de bagages. Monsieur ignoré de tout ça, magistrat te dit en matière de précaution par rapport à la pandémie. Vous va comprendre? Ce n'est pas qu'un causé guideline magistral, pas tenir compte. Et. Mais at least il te gen sandare les distances dans Maison Blanche. Ça que li pat fait, bien entendu, vendredi soir. Vendredi soir, pas gen ken
et distance qui te respecte. Et d'ailleurs, ça pas nan priorité. Lò parle de protéger la vie moun, di moun yo fè attention. On pa ke tout kote ou ale nan store yo, kone la gen de mégaphone kap di, kap rappele moun yo, moun pa kole sou moun encore, kembe distance. Se façon pou protéger moun yo. Mais tel n'est pas le cas de moun ki trouve le plus haut sommet de l'État. Et on dit que pour moun pa tande yon mot en parlant de vendredi soir qui sorti nan bouche Donald Trump qui pour faire moun yo conscient de gros danger et bien pandémie ça a représenté pa gen aucun encouragement qui fait qui jan pour moun yo protéger. C'était un autre message, c'est une autre menace hein. Si gen yon menace qui te gen, c'est peut-être pas le coronavirus vendredi. Menace là, c'est pas de coronavirus qui a augmenté. Mais c'est de préférence Donald Trump t'a parlé aux menaces qui gagnent contre un groupe moun. L'autre moun yo kap qui se menace kap détruit héritage yo. C'est rhétorique ça. Vous comprenez son façon pour le capable, vous comprenez bay flamme avec base liyo. OK? Donc li en fait on dit la parler de histoire pas bon ici. Nous connaissons que l'histoire là effectivement li fait de moments douloureux de la part des hommes de couleur. OK, ça fait partie, yo pa ka blier quelque part, OK? Donc dans discours monsieur, on entend des fois souvent la parler de dey, dem, avait dit moun yo, l'autre moun yo. Donc monsieur t'a cherché jouer sous la peur de cette minorité parce que ce qu'il faut comprendre, mais ça qu'a passé là. Les États-Unis c'est toujours un peuple d'immigrants. Qui fait de plusieurs mondes, ça saute en Europe, ça saute plusieurs côtés ces derniers jours. Même yon gombon qui saute en Haïti, yon plus de côté, yon vin université, yon formé nation, son pays d'immigrants. Maintenant, là, je joue sous peur, groupe moun sa yo, et en parlant de Sandari, les blancs de l'Europe, qui réclame que c'est celle yon même qui pour pays sa et pour yon simplement. Là, je joue sous peur que yon gagne, qui montre tout simplement que yon pas toujours Sandari, les majorités qui pour décider l'avenir, et que pays à ça sa fè li c'est li composé de plusieurs groupes et c'est ça pour yo comprendre. Donc monsieur a joué sous peur ça et tout problème dans la tour dans tête plusieurs. C'est comme quoi eh bien ces pays yo gon les ka privé y a prend pays ça nan men. Vous comprenez? L'autre moun yo a prend pays ça nan men. La réalité son l'autre valeur son l'autre culture k'a parlé bon ici là. C'est le fait que yo dou et bien yo vinn là n'accepte yo ce côté rêve ou capable nous ka permettre de réaliser nous font seul. C'est message ça US et les États-Unis ben nous. Parce que ou vini nous intégrer, ou fait partie de famille là, ou travail dur, ou lité, ou gomme, ou capable d'accomplir rêve. C'est nous, dans cadre démocratique, nous accepter diversité culturelle et de valeurs. C'est ça. C'est ça qui a toujours fait le succès de pays. Mais c'est pas yo, nous, c'est nous. OK? C'est valeurs ça qui a essayé inculquer que tout le monde comptait. OK, parce que Black Lives Matter li pa vle di tout simplement que l'autre vie yo pas important. Li tout simplement un signal pour dire que groupe moun sa yo le plus souvent yo subi des injustices en parlant de la communauté noire, yo compté, yo gen valeur. Black Lives Matter la pa vle di que la vie l'autre moun pas important. Au contraire, c'est parce que yo connaît que eh bien les autres, tant tare les groupes favorisés, les européens blancs, c'est parce que eux même yo toujours ba un favoritisme. Et puis son rappel que yo vle vin sous même piédestal. Black Lives Matter vle dit que nous tout égal quelque part, nous sous même piédestal, c'est ça y a demandé. Yo pas demandé une supériorité par rapport à l'autre. C'est ça la revendication. OK? Donc c'est ça revendication. Donald Trump qui t'a décrit objectif moun k'ap manifester yo justement, c'est parce que yo vle refaire histoire, yo comprendre? C'est yo vle enchaîner culture, c'est comme quoi le relé des destructeurs de culture, des destructeurs de valeurs. C'est ce qu'on ça le représenter ces groupes. Vous comprenez? So li utiliser mot cancel culture, c'est des de monde qui cancel culture. OK? Donc li parler que tout monde ça yo c'est yo qui détruit job, comprendre? C'est la honte de représenter. Vous comprenez, so, li fait comprendre que moun sa yo vle pou nou obéir yo, si n'pa d'accord. OK? Donc son mouvement très dangereux. Donc faut nous protéger nation, nous protéger ti moun nou. En fait, comprenez bien, vous avez dit comme ça dit par rapport à moun sa yo, l'autre moun yo.
fini avec radical assault qu'a fait voilà. Mais en gros, ça représentait. OK? Mais l'idée, ça le terme, c'est animer la couleur pour l'autre monde. Hmm? Donc c'est ça que lié. Et c'est ça discours monsieur à la veille du 4 juillet, hein? À la veille du 4 juillet, c'est quand même triste quelque part. Ce n'était pas ça. C'était supposé un discours pour dire que nous comprenons que nous avons une différence, rappeler que nous avons des intérêts communs, rappeler que nous vivons sous même bout de terre. C'était ça. Mais il ne faut pas attendre, on parle de discours de la part de Donald Trump. Biden parlait, je dis à tout. Il dit que les États-Unis ont souffert le résultat. C'est le fait que le grand président a cherché à diviser chaque jour plus. Hmm? Un président qui a une seule inquiétude, c'est propre intérêt pâle. Qui n'a pas mettre intérêt nation au-delà de l'intérêt pâle. C'est ça qu'il a dit. Il dit que, en fait, Biden a parlé, pays nous a souffert, c'est au prix de négligence, justement. De un président qui n'a pas qu'à faire unité, qui a créé division. Un président qui a cherché simplement intérêt personnel, li. Qui n'a même cœur de monde qui malade, yo. Monde qui chômage, qui n'a pas dans le travail, yo. Qui n'a même cœur de constitution, non. Troupe, nous, là, nous comptons ça qui est tombé dernièrement, hein. Là aussi, qui t'a payé pour soldats américains. OK? Donc, voilà l'idée. Joe Biden, justement, lui-même qui m'a dit qu'il faut que nous rendons, nous allions gagner des valeurs communes pour nous rallier autour de lui. C'était ça un discours qui était supposé faire à la veille du 4 juillet. C'était un discours. C'est vrai qu'il y a une différence. Capable tout, il y a une différence. Mais là, fait l'indépendance. C'est bon fait qui pour démocrate. C'est pas en fait qui pour républicain, c'est en fait pour la nation. C'est en fait justement côté pour mon oublié. Mettez en côté ça qui divise nous pour nous joindre le minimum de ça qui commun entre nous, l'intérêt commun. But monsieur était passé à côté de ça. OK? Donc nous te bon résumé Jean que Président Donald Trump, justement, te discours li, messagi, et à la veille de 4 juillet. Rete branché, rete connecté, n'ap fait effort pour nous. Si n'ap capable la, avec ou à soi, comme d'habitude, à 8h30. Portez-nous tout bien.